Salut tout le monde, c'est Perryhammer. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de The Legend of Zelda Majora's Mask 3D. Donc tourne à la suite les amis. Donc c'est parti. Donc c'est le 22e épisode de notre aventure. Et aujourd'hui normalement on termine ce troisième temple les amis. Oh là là, ouh là là. Oh j'ai fait le con. Bien, bah ça commence bien. Ça commence super bien. Donc maintenant que nous avons la clé, on s'en va. On s'en va donc en Zora bien sûr. Impeccable. Donc nous avons la clé, nous avons toutes les cartes en main. Donc maintenant il va falloir changer carrément de lieu. On va découvrir de nouvelles zones de ce temple. Alors, Zora, parfait. Par commencer, on va découvrir cette zone noire là, comme vous voyez. Je sais pas si je suis très clair, c'est là. Je vais faire ceci. Alors comment faire? Et ben tout simplement les amis, on va utiliser notre objet de donjon. On fait ça. Et voilà. Bon c'est un peu mal fait, mais normalement il faut que vous visez le haut et ça se congèle. Et comme ça, il n'y a plus de flotte. Fini le problème de flotte, c'est fait. Alors. Dégage. Tu me gênes. Alors, activer ce levier là, je pense. Donc c'est parti. Ce serait judicieux hein, d'activer ce levier là. Hop. Ah bah t'es deck toi. Tu dois te sentir bien con hein. Ah oui je crois. Ah ouais d'accord. D'accord. Ok c'est cette zone là où il va falloir aller au dessus. Par contre toi je sens que tu vas me faire chier. Ah dégage. Impeccable. Non merde, j'aurais pas dû faire ça. C'est ça plutôt. Donc en gros j'ai gâché deux flèches de glace. Ah ça va. Heureusement je passe. Sinon ça aurait pas été très cool. Bon alors on va pouvoir activer la ligne verte. Qui va nous servir plus tard. Peu plus tard dans la vidéo donc voilà alors hop impeccable. Ah donc voilà, c'est juste pour ce coffre les amis, mais ce coffre est très très important parce qu'il y a une fée, donc c'est la cinquième. Ok, cinquième fée. Donc cinquième fée, donc on va revenir ici les amis. Ce que je vous avais dit dans l'épisode précédent qui a été semi-intéressante, cette zone, parce que maintenant on va pouvoir intervertir le courant, les amis. Et oui, vous m'avez bien entendu, intervertir le courant. Alors pour ça, les amis, il va falloir... par contre, est-ce qu'il faut le grappin? Ouais, il faut le grappin pour ça. Impeccable. Donc ça, on va activer le rouge. On va le mettre en service. Il est temps même de le mettre en service. Et comme ça, c'est parfait. Donc là, il se bloque. Là, il se bloque vu qu'on a activé le rouge. Ça ne marche plus. Donc ce qu'il va falloir faire, les amis, c'est enlever le jaune. Pourquoi ? Pour que le courant change de direction.
et qui nous emporte dans d'autres zones, notamment la zone du boss. Voilà, impeccable. Tout se passe très très bien pour ce temple, les amis. Ça va, pour l'instant je le gère. Il me reste aussi 10 fées à chercher. Surtout en plus, le pouvoir de la grande fée qu'elle va nous donner est très 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 intéressant. C'est le plus intéressant des 4. Alors par contre, dégage-moi ça. Hop. Impeccable. Hop, je me mets Zora et c'est parti. Maintenant le courant a changé, donc ça va ouvrir d'autres zones. Donc ça ouvre celle-là. Et hop, une fée égarée. Ça c'est pas mal. Je l'ai récupéré en plein vol, la fée. J'ai eu de la chance. Là pour le coup, je vous le dis, j'ai eu énormément de chance. Alors là il y a un coffre. Il y a un coffre que je veux, hein, bien sûr. Parce que je parie que c'est une fée. Donc c'est la sixième, hein, de fée. On est presque arrivé à la moitié des fées. Dégage. Boum. Impeccable. Vous avez vu, on nage pas, vu qu'on est Zora, on est quand même grand. Ça fait quoi si je fais ça? Ah ouais, ça c'est la zone que j'aime pas trop. Je suis pas hyper... Je suis pas très très fan de cette zone. Hop. Donc en gros, il va falloir sauter au bon moment en fait, les amis. Impeccable. Oh, je passe pas. Bon, c'est pas grave. Ah, attends, le coffre. Voilà. Donc le coffre, c'est quoi, une fée? Et voilà, il était très intéressant ce coffre. C'est qu'il y avait une fée. Donc là, du coup, on descend, les amis. Et on va reprendre, re-essayer. Non, pour l'instant, c'est pas mal. Hein. Ça m'étonnerait qu'il revienne. Hein. Non, c'est mort. C'est mort, c'était ridicule. Oh putain, en plus, j'avais failli perdre. Là, ça va être jouable. Impeccable. Ça passe. Donc désolé si vous entendez la vidéo à fond d'un gars et une fille. Alors, donc ensuite ça il faut le faire. Maintenant, c'est maintenant qu'il faut le faire parce que vous voyez c'est impossible. Hein. Si on n'arrête pas ça, c'est pas possible de passer. Bien, on a tout. Ah si, non, non, il nous manque un coffre. Je dis qu'on a tout là. Ah, il est là-bas le coffre. Comment vais-je le récupérer ce coffre? Est-ce que je passe? Et ouais, au pire, en plus je passe. Impeccable. C'est quoi? Hier, yeah, c'était une fée, c'était méga important. Attends, est-ce que je peux tenter? Ah merde, il est trop loin. Mais en revanche, c'est impeccable, les deux, comment ils sont mis, c'est impeccable. Merde. Vous voyez, compte à rebours, c'est parce que Link va mourir, sinon. Sinon, il va mourir, donc on va plutôt éviter ça. Parce que moi, je suis pas pour que Link meure. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Hop, et voilà. Oh, sérieux? Cinématique de mec, sérieux. Eh ben, on patiente.
On attend. Ça va, c'est plutôt court le temps d'attente, ça va. Y'a pire comme temps d'attente dans un jeu vidéo. Alors par contre là, je vais pas le tenter, hein, je pense pas. Hein. Non, c'est mort. On va le tenter au prochain. Link, il est juste un petit peu trop petit. Donc il a pas pied. Oh, je passe. Normalement, dans la vraie vie, je suis mort. Hein. Et en plus, dans la vraie vie, un mec qui fait un bond comme ça, tu vois, il a pas peur. Franchement, là, c'est un sans peur. Hop, flèche de glace. Notre magie, ça va aller pas mal. Elle est pas mal du tout. Là, vous voyez qu'au fur et à mesure, la magie, on en a besoin. Voilà, impeccable. Nous avons tout. C'est parti. Nouvel endroit. Ok. D'accord, je me rappelle de cet endroit-là. Je me rappelle même très bien de cet endroit-là. Dégage. Espèce d'enfoiré, meurt. Celui-là, on arrive là. En gros, je vais monter. Ouais, on va essayer. On va tenter ça. Donc, en gros, le but, vous l'avez vu, c'est de monter le plus haut. Donc, voilà, ça, je monte. Donc, je vais pouvoir actionner ça, le vert. Parce qu'en fait, si j'actionne le vert, les amis, je pense que vous commencez à comprendre. C'est que ce tuyau vert va nous amener au boss. Tout simplement. Ce tuyau vert va nous amener au boss. Normal, quoi. Je vais monter un peu le son parce que là, au salon, ça monte un peu le son, donc je vais monter un peu le son. Alors. Lui, on l'évite. Apparemment, il nous a pas vu. Il nous a même pas capté. Il n'a rien capté comme un con. Ah, par contre, ça, je prends. Impeccable. C'est la 9e. Il reste plus que 6. Oh, dégagez. Ah bah je passe peut-être comme ça. Ah ouais, voilà, direct. Tranquille. Mais bon, de toute façon, ce truc-là que je viens de faire, les amis, était nécessaire. Même pour si vous faites pas le jeu à 100%, il est nécessaire. Parce que vous devez activer le tuyau vert. Vous avez pas le choix. Parce que sinon, vous allez pas arriver au boss. Bien. Bah du coup, je descends, en fait. Du coup, je passe. Bon, allez, tout en bas, il me semble pas que je suis allé. Dans ce nouveau tout en bas. Ah, merde, sérieux. C'est pas cool. Hop. Là, il y a une fée. Ici, c'est fourbe. Il y a une fée, en fait, les amis. C'est très, très fourbe. Franchement, il faut connaître celle-là. Celle-là de fée, il faut vraiment connaître. J'avais galéré à la trouver, elle est là en fait. Soit vous passez dessus, vous avez un coup de chance, ou soit vous avez pas de chance et vous trouvez pas. Bah je crois que le masque du lapin, je m'en fous plutôt. Je m'en fous pour cette zone. C'est pas intéressant. Voilà, 10e fée, yeah. 10e fée, les amis. Et vous voyez le boss qui est là-bas. Mais moi j'ai pas encore toutes mes fées, donc je ne suis pas satisfait. Donc là bien sûr on actionne pour enfin pour finir. Ah ça clignote rouge, ça veut dire qu'il y a. Ça fait scintillement rouge, ça veut dire qu'il y a une fée ici. Il y en a encore.
Ah ouais, d'accord, je sais où elle est la fée. Non, c'est pas là. Elle est ici la fée. Ah ouais, la fée fourbe. Par contre là, ça va être un coup de chance. Yes. Hop. Ah, j'ai tenté le truc kamikaze, hein, vraiment. Alors, niveau de la carte. Ah, je suis emmerdé, j'ai plus de coffre. J'ai plus de coffre et il me manque 4 fées. Oh putain, oh là là. Il va falloir les chercher. Il n'a pas le choix. Il va falloir les chercher, je ne sais plus du tout où ils sont. Ah ouais, alors là, c'est le trou noir. Aïe. Ah ouais, là ça va être vraiment tendu pour trouver tout pour trouver l'effet. Alors, je vais jouer le champ de l'envol. Vous inquiétez pas, je vais rester dans le temple, hein, je vous rassure. Je vous rassure, je reste dans le temple. Ça fait que 16 minutes, ça va, c'est pas mal. Pas mal du tout. C'est juste pour m'envoler vers l'entrée. Pendant qu'on y est, parce que contre le boss, on aura besoin d'effet. Pour moi, c'est le boss le plus dur. Si on le vainc, après on est tranquille. Impeccable, deuxième fée. Je pense que deux fées ça devrait aller. Si on y passe, on prendra une troisième, mais je pense pas que ça sera nécessaire. Peut-être qu'on va utiliser même zéro. Qui sait? Y'a pas une fée en bas. Y avait pas plusieurs de fées ici. Je vais regarder. Non. Oh, c'est des bombes, flèches, on s'en fout. Ouais, c'est des bombes et des flèches, on s'en fout. On s'en contrebalance. Nous, ce qu'on veut, c'est les fées. Dégage la plateforme, tu me gênes. Impeccable. Mais il n'y a pas de fée. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de fée. Ça m'agace un petit peu. Ah, une fée. Impeccable. Il y avait une fée ici. C'est la 12e, il ne reste plus que 3. Par contre, bonne question. Ah, il va être 6h. Ah non, il va être le deuxième jour, carrément. Carrément le deuxième jour, on aura pris une journée à faire ce temple, pour l'instant. Pour l'instant, on en est à une journée. J'aimerais pas deux journées, ce serait un petit peu chiant. Pour trouver toutes ces fées, ça va être chiant. Pour trouver trois dernières fées, ça va être relou, chiant, tout ce que vous voulez. Ça va pas être marrant. Dégage, tu me gênes. Hop, du deuxième jour. Y a pas de fée ici. Non. Il n'y a pas de fée. Il n'y a pas de fée. De toute façon, j'ai pris tous les fées où il y a un coffre. Ça, les amis, là, il n'y a pas de souci là-dessus. Ouais, par contre, là, pour les retrouver, les fées. Ah. Ouais.
Impeccable. J'ai la 13ème, donc il m'en manque plus que 2. Non, 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 pas celle-là. Je veux la plus haute. Normalement, il y en a une 3ème. Ah non, c'est celle-là. Celle-là, je peux pas l'atteindre. Ah, et merde. Par contre, je vais faire de la merde, là. On va les trouver, c'est fait, les amis. Vous inquiétez pas, on va les trouver. De toute façon, on va devoir rejouer le champ, je pense. Ouais, on doit rejouer le champ. Ah putain, il me manque deux fées, deux number two fées. Oh là là, ça va être chiant. Bon, là, nous sommes sûrs, il n'y a pas de fée. Sinon, je crois que je vais être obligé de réintervertir le courant. C'est un petit peu chiant, mais bon. Pas le choix. Faut trouver ce maudit fée. Hein. Pas le choix. Ouais, c'est le truc que j'aime le moins, trouver les fées, mais bon, faut bien le faire. Après, on est content ce qu'on a. Hein. Hop, et attention, on longe bien la bordure, c'est parti. Non, je crois que les deux dernières fées qui me manquent doivent être dans l'autre courant, en fait. Je vois que ça. Non, je vois pas trop. Attends. Non. C'était pas fourbe à ce point-là. Hein. Bon, on sait jamais. Bon, ça m'étonnerait pas que ce serait fourbe comme ça. Allez, champ du... l'envol encore une fois. Allez, rouge. Cette fois, on va trouver les trois dernières. Voilà. Bah écoutez, on va intervertir le courant, hein, on verra bien. Ah voilà un truc où je peux galérer, hein, les amis, c'est en cause de ces fées. Putain, le temple se passait tellement bien et là il y a les fées qui cassent tout quoi. Qui cassent mon rêve. C'est pas cool ça. Voilà, on va couper le rouge, on va remettre le jaune et c'est parti. Ou si on trouve vraiment pas, après je vous fais une ellipse. Alors. Ok. Ah
Oh putain, mais t'es sérieux quoi. Oh mais t'es double sérieux là. Bon, allez, c'est reparti les amis. Cette fois, maintenant qu'on a interverti le courant normalement, on va commencer par le plus au fond. Alors, je voudrais juste remonter. Hop. Non, apparemment, il n'y a rien ici, je pense. Non, il n'y a rien. RS. Oh, bah ici, il y a RS aussi. Hein. Bah ici, laisse tomber, il n'y a rien. Ça sert à rien, c'est la dèche ici. Des arènes de mini-boss, ça sert à rien. Ça sert à rien de perdre notre temps. Hop. Ah, j'ai pas assez bien exploré. Hein. C'est chiant. Voilà, donc deuxième. Ah, ici, c'est possible qu'il y en ait. Il y a un genre là, bien fourbe. Alors, on va voir. Ouais, il y a une fée. Il y a une fée maintenant où, je sais pas. Ah, tu vas pas me dire que c'est ce petit pot là. Ah, tu me rassures. Parce que là. Ah, là, je comprendrais pas. Ce petit pot là. Il m'a fait chier avec ça. Ah, ok, j'ai compris, c'est ce pot là, non. Ah, tiens. Ha. Ah, c'était fourbe. Ah, c'était dégueulasse. Impeccable, 14e, il reste juste la dernière maintenant. Merde, pourquoi je mets le truc Zola? Pourquoi? Donc il nous reste une fée. Une fée à chercher les amis, on est bon, on est bon. Hop. Oh là là, c'est une ligne arène, ça sert à rien, je pense. Ouais, je perds mon temps. Hop. Bon, il m'en reste plus qu'un. La bonne nouvelle, il m'en reste plus qu'un. Non, on s'en fout de lui. Alors ici, j'ai déjà chopé une fée en plus. Donc ça m'étonnerait qu'il y en ait encore. Non, un peu. Putain, bah celui-là j'aurais vraiment cru. Hein. Ah ouais, celui-là j'aurais vraiment cru qu'il y aurait une fée. Mais le jeu m'a dit que non. Donc faut croire au jeu. Hein.
Non. Bah après, je sais pas, la dernière. Tu veux qu'elle soit où, la dernière? Je viens d'y être, ici. Juste qu'on sait que de respawner. C'est un tunnel sans fin, quoi. Non, le dernier, je vois pas du tout où il peut être, hein. Ah ouais, là. Ah ouais, c'est fourbe. Ah, cette pièce-là est fourbe. Je vais aller voir. Ah bah c'est ici en plus. Ah non, j'ai déjà une fée ici. Attends, la carte s'il vous plaît. Ah voilà, c'est cette pièce-là qui est fourbe. Merde, c'était là. Voilà, cette pièce-là. Elle est fourbe, cette pièce-là. Ah, ces trucs-là, ils sont casse-couilles dans Return of Time, en plus. Ils sont revenus pour me faire chier. Non, je m'en fous, ils peuvent pas m'avoir. Je suis invincible. Bah attends, au pire, on va être fixé. Hein. Je vois pas pourquoi je me fais chier alors que... Pourtant... C'est encore plus simple. Oh, le fourbe ici. Non. Apparemment, il n'y a rien. Je vois pas, hein. Franchement, je vois vraiment pas cette dernière fée. Ça a rien d'aller plus loin, cette boss, après. C'est chemini boss. Je vois vraiment pas où peut être cette dernière fée. Ouais, il va falloir que je la trouve tout seul. Écoutez, les amis. Là, il va falloir que je vous fais une liste parce que là, je la trouve vraiment pas. Je vous dirai où aller. Parce que là, je vois vraiment pas où elle peut être. Je l'avais trouvé pourtant avant, mais je m'en rappelle plus. Je ne sais plus. On va essayer de voir. Deux secondes si ça brille ici. Non, ça brille pas. Donc, on va faire une ellipse. Allez, petite ellipse. En plus, ça fait déjà 33 minutes. Hey! Re tout le monde, ça y est les amis, j'ai trouvé la dernière fée. En fait c'est un truc de fourbe, la dernière fée était dans la dernière salle là où on était. Elle était... Bah là ici, voilà, elle était ici. Là où il y a les espèces de trucs là où on devait mettre de la glace, du feu interchangé quoi à chaque fois. Bref, donc c'est parti les amis, le troisième temple du jeu, le troisième boss du jeu, donc un boss très très dur, donc j'espère que je vais le gérer. C'est parti, c'est le boss le plus dur pour moi. Je suis assez traumatisé à cause de ce boss. Non, je déconne pas ce point là, mais bon, on va essayer de le gérer. C'est parti. Donc découvrons ce troisième boss. Ouais, notre ami se cache sous l'océan. Donc je pense que vous devinez à quoi ça ressemble. Je vous présente Kyorg, Léviathan gargantuesque masqué. Donc c'est un poisson. Kyorg. Ah là là, Kyorg. Bon. Il est temps de lui donner une leçon.
Putain, là, il m'a fait un de ses bons, là. Donc là, je flippe. Je flippe ma race contre lui. Tiens, hop. Donc maintenant, son œil. Hop, 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 hop. Tiens. On va pas pouvoir lui faire du corps à corps contre lui, hein. On va pouvoir servir son épée contre lui. Ce qui est dommage. Oh putain. Calme, ok. Ah, du coup ça va sonner là. Il est où? Ah. Je te déteste toi. Je t'aime pas comme boss. Putain, il a une barre de vie en plus incroyable. Ok, deuxième phase. Enfin, par contre, ma cam elle va peut-être se décharger. Ça me fera un peu chier. Donc c'est parti, ça va être en Zora que le combat va se poursuivre. Non, ne bouge pas. Ah, voilà. Ah, putain, l'enfoiré. Putain, il m'enlève 4 cœurs, il me fait mal, cet enfant, en plus. Donc maintenant le but les amis c'est de lui, quand il va nous aspirer il faut lui balancer une mine et il va l'avaler et après on pourra, il va nous dévoiler son point faible. C'est le cœur je prends. Allez. Ah, le bâtard. J'ai pas vraiment de technique contre ce boss, franchement il est chaud. Il est dur point barre. Merde. Dommage, ma technique a foiré. Ça va être de la chance si on arrive à le battre. Ah, le bâtard, comme par hasard, il fait ça. C'est enfoiré, sérieux. Il veut ma mort, ce mec. Enfin, si t'appelles ça un mec. C'est juste un poisson. C'est juste un poiscaille. On viendra à bout, voyons. C'est lui qui va me faire peur. Tiens! Voilà, là, comme ça, on pourra l'attaquer. Voilà, en gros, il va falloir faire ça au moins 2 ou 3 fois. Donc, je vous dis que ça va pas être de la tarte. Hein. Il m'éclate la bombe, magnifique. Merci, mec. Thank you.
Non, sérieux? Tu vas pas me faire croire qu'il prend pas la bombe? Oh putain, non, genre. Oh, genre, c'est dégueulasse. Bon, c'est corsé là contre lui, hein. C'est pas évident. Respire un coup, ce serait magnifique. Bon, il le fera pas. Il le fera pas, c'est vraiment du au pif. C'est quand on se rapproche de lui en fait. Hop, prends ça, bouffe ça. Deux fois qu'on le vint, qu'on l'a. On va le battre, on va le battre, on va le battre. Pouvoir du Zora. Putain, si seulement il pourrait me le faire. Magnifique. Mais il me le fera pas. Il me le fera pas. Là je vais me rapprocher, il va me le faire. Ah, je te déteste. Je t'aime pas, Kyorg. Je t'aime pas. Ah bah attends, c'est peut-être ma chance là. Dégage. Kyorg Junior. Bah je sais pas comment les appeler hein, ces poissons. Bon, au pire autant pas les appeler. Hein. Allez. Ah le bâtard. Foiré. Il va pas me le faire. Tiens. Allez, là, ça serait le moment de l'achever. Oui. Il est vaincu. Ah, Kyorg éliminé, les amis. Alors là, ça fera une longue vidéo, franchement. Une vidéo très très longue. Oh yeah. Oh yes. Kyorg vaincu. Ça y est, Link Zora est vainqueur. Avant que ma caméra s'éteigne vite. Et donc nous allons apprendre plus sur les géants. 4 géants. Bon, on va essayer d'en apprendre plus. Vous allez libérer l'esprit innocent emprisonné dans le masque de Kyorg le nébuleux. Donc nébuleux ça veut dire rêveur, je sais pas. Rêveur je crois que c'était ça, nébuleux. Dans les vapes, un truc comme ça quoi. Avec une musique. Eh, hey, écoutez, pouvez-vous nous aider? Si vous ne faites rien, quelque chose de terrible va se produire. Vous êtes certainement les seuls à pouvoir faire quelque chose. C'était ce que Tael essayait de me dire. Aidez notre ami. Ta-na-na. Je comprends, il faut sauver le dernier de ces géants. Vous devez nous promettre ceci. Vous devez nous aider. Ok. Ils nous aideront, pas de problème. Par contre, ma caméra va bientôt s'éteindre. Donc on va se faire une ellipse, les amis, encore une fois, pour recharger ma caméra. Allez, ellipse. Re tout le monde. Donc cette fois, on va pouvoir lire. Maintenant, l'âme du guerrier Zora peut reposer en paix. Mais le mal qui hante cette terre n'a pas encore disparu, Link. Moi aussi, je dois me plier aux lois des temps anciens qui me condamnent à rester spectateur depuis mon profond sommeil. Je vais profiter de la voix de Lulu encore un peu et je m'en irai. Les dieux peuvent bien m'accorder ça. Yakekek.
Ok, et ben voilà les amis, on pense à être ici, en espérant que ça aura plu, ce 22e épisode de The Legend of Zelda Majora's Mask. Avant, on va rendre Majora's Mask 3D, bien sûr, à préciser, hein. Avant toute chose, on va rendre à son corps, la grande fée. Et on pourra s'arrêter ici, parce que ce que la grande fée va nous donner, c'est un truc méga pratique, méga utile, tout ce que vous voulez. C'est un truc hyper utile. Alors, la grande fée se situe par là. Et comme ça, la prochaine fois, les amis, on aura des quêtes annexes à faire, deux notamment. Celle-là de la grenouille et une autre qu'on devra faire rapidement. La grenouille et celle-là qu'on devra faire en priorité, vu que on peut pas les faire... Si on remonte le temps, on pourra plus les faire. Enfin, il faudra que je rebatte Kyorg, donc ça va être la merde. Enfin, non, pas battre Kyorg. Si, il va falloir si, que je rebatte Kyorg. Donc ça sera la merde. J'ai pas envie de le rebattre en plus. Hop, explosé. Et donc c'est ici. C'est ici que cette terre l'a fait, normalement, il me semble. Voilà, fontaine des fées. Donc 15 fées durement gagnées. Et voici. Et vous inquiétez pas, c'est pas pour rien. Les amis, là ça c'est vraiment intéressant. C'est un truc que j'ai pas eu dans Ocarina of Time. Et pourtant c'est méga utile, méga intéressant, tout ce que vous voulez, bref. Bonjour courageux petit aventurier, je suis la grande fée du courage. Merci mille fois d'avoir rendu à mon corps brisé sa forme normale. Je t'offre ma force en guise de remerciement. Votre résistance a été augmentée, les ennemis ne vous feront plus que la moitié des dégâts. Excellent les amis. Yeah. Impeccable. Et ça c'est une affaire classée, la grande fée de l'océan. Reviens lorsque tu seras accablé de fatigue. Donc là on peut voir que nos cœurs ont changé les amis. Je crois que vous pouvez voir. Au pire je vous zoom. Nos cœurs ont changé. Il y a un petit halo blanc autour. Donc ça signifie que nos cœurs, on prendra deux fois moins de dégâts. Donc ça va vraiment nous servir. Ça va être vraiment très utile pour le prochain boss. Hein. Pour le prochain boss final, mini-boss, tout ce que vous voulez, bref. Bref, apparemment il y a un coffre ici. C'est chelou. Ah, peut-être au fond de l'océan. Possible. On va aller sauvegarder une fois pour toutes. On va aller récupérer ce coffre, une intrigue. Impeccable, il est là. Hop, c'est quoi sans rubis? Ah, un rubis violet. Bon, on va préférer sans rubis. Hop, on va à fond. Voilà, l'océan a pas beaucoup changé, hein. Comme vous pouvez voir, l'océan a pas beaucoup changé. Mais maintenant, on peut se balader où on veut, maintenant, vu qu'il n'y a plus cette espèce d'ombre. Et on aperçoit bien le temple, hein, là-bas maintenant que vous voyez, on aperçoit énormément bien le temple. Et donc voilà, merci d'avoir regardé cette longue vidéo de Majora's Mask 3D, je suis désolé qu'elle ait été si longue que ça. Mais voilà, à très bientôt tout le monde, et à très vite pour le 23e épisode. Allez bye tout le monde.